est la parole de Dieu. Et nous avons ce matin le privilège, la grâce et l'honneur de recevoir au milieu de nous un homme de Dieu que j'aime beaucoup, l'apôtre Ghislain Koulibaly, qui est pour moi un frère et un ami. Il est au niveau de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Il fait un travail remarquable. Plusieurs fois, nous avons tenu de grands programmes avec lui. Le Seigneur l'a envoyé pour nous. Il n'avait pas de programme de venir ici. Mais le Saint-Esprit lui a dit, va à Paris. Et je lui ai fait une invitation. Très peu de jours, il a eu son visa. Et le voici au milieu de nous. Et je crois que ce matin, il y a une parole qui vient de loin pour nous. Amen. Amen, amen. Alors nous voulons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'apôtre Ghislain que je vais appeler. Il peut venir. Alléluia. De la grâce, votre partage ce matin. Vous savez, dans l'esprit, il y a des temps. Il y a des temps dans l'esprit. Dieu a un chronogramme, Dieu a un calendrier. Et dans le calendrier de Dieu, bien-aimé, quand le temps est arrivé, bien-aimé, la brebis devient lion. Quand le temps de Dieu arrive dans le calendrier, les morts ressuscitent. Quand le temps de Dieu arrive dans le calendrier, les faibles deviennent forts. Bien-aimé, je pense que c'est un temps de Dieu ce matin pour quelqu'un qui est arrivé au bout de ses forces, mais qui est arrivé, bien-aimé, à l'orée d'une nouvelle dimension. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. L'atmosphère est tellement, l'esprit est tellement là. C'est compliqué. On va laisser l'esprit faire quelque chose avant de partager. Alléluia. Parce que Dieu est notre maître. Et quelles que soient les contraintes, nous allons laisser régner. Alléluia. Est-ce qu'on peut, Emmanuel?
du troupeau. Ton Dieu a décidé de disposer le royaume en ta faveur. Tu as du prix à ses yeux. Seigneur, je te rends toute la gloire. Et je veux simplement apporter cette grâce que tu as mise, Seigneur, sur moi ce matin, pour ce peuple. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Tu m'as pris dans la boue. Et Seigneur, tu fais de moi un orateur, un héros de ta parole. Oh Seigneur, je veux te bénir, te dire merci. Permets à ce peuple de comprendre ce que tu es en train de faire et de le saisir. De le saisir et d'y entrer. Parce que tu es sur le point de le faire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. 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 À celui qui est sur le trône, la gloire et l'honneur. À celui qui ne dort ni ne sommeille, les acclamations et les cris de joie. À l'amour de nos âmes. Merci Seigneur. Amen. Vous êtes bénis. Vraiment, je suis béni aussi d'avoir écouté ça. Pasteur, respect. Le Seigneur est là. Et c'est difficile de sentir la présence de Dieu comme ça. Le Seigneur a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Vous devez vous accrocher à cette foi, à ce qu'il y a ici. Ne promenez pas de rien. Quand il met les pieds ici, ne promenez pas de regard inquiet. Tu entres dans une ambassade. Tu es dans une ambassade. Et dans une ambassade, il y a l'immunité territoriale. Julien Assange est dans une ambassade. Mandat d'arrêt international, mais chaque jour, il sort à la fenêtre, il parle. Il est sous une immunité. L'immunité de ton père est plus grande que l'immunité des royaumes de ce monde. Sois dans la foi. Et là où tu t'es tombé, relève-toi. Relève-toi. Nous sommes à une porte prophétique de l'histoire. Alléluia. Et nous devons y entrer par la foi. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Merci Saint-Esprit. Je veux bénir le nom du Seigneur pour l'apôtre Douglas et son épouse, Maman Lydie. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour le travail que vous faites et pour la confiance aussi que vous nous accordez dans l'œuvre de Dieu. Il vous a dit, nous sommes vraiment des frères et Dieu fait des choses au travers de cette fraternité-là dans le Seigneur. Et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour cela. Vraiment merci, pasteur. Dieu te bénisse et ouvre des portes extraordinaires. Vous savez, quand vous avez un tel homme de Dieu avec vous, vous devez profiter. Il faut profiter. Il faut profiter. La Bible dit, ne vous privez pas de la grâce. Il faut côtoyer cette onction. Parce que c'est des onctions qui sont là pour un temps et puis après, vous les avez plus à votre disposition. Parce que Dieu veut faire autre chose. Amen. Et c'est important de prendre. Et ceux qui prennent cette onction-là, ils grandissent vite. Ils grandissent vite. Et on arrive dans un temps où il faudra grandir. Il faut grandir. On arrive, le vent souffle, l'aigle ne peut plus rester dans le panier, dans le berceau, il faut voler. C'est tellement merveilleux de voler de ses propres ailes dans l'esprit. Vous êtes tous ici des servantes et des serviteurs de Dieu, qui une armée du Seigneur. Une armée du Seigneur. Vous avez des ministères. Et ces choses-là,
Vous ne pouvez pas y échapper. Vous savez, le temps où les gens disent, oh, moi je vais à l'église, et puis ça va finir. Parce qu'on est fils d'un roi. Vous savez que dans le royaume, tous les enfants du roi, ils sont militaires. Si tu es enfant de roi, tu n'es pas militaire, tu ne vas pas régner. On va le découvrir, on va comprendre des choses. Alléluia. Notre thème de ce jour, que Dieu nous donne ce matin, les piliers de la victoire. Les piliers de la victoire. Nous allons prendre le livre 1 Samuel 17, verset 50. 1 Samuel 17, verset 50. Lire 1 Samuel 17 verset 50. On y est? Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Je veux reprendre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Alléluia. Ainsi. Nous sommes arrivés à la fin d'une histoire. Ainsi marque une conclusion de ce qui a précédé. L'histoire, vous la connaissez, de David et Goliath. David, jeune berger, jeune pâtre, va se retrouver sur un champ de bataille où tous les héros sont dépourvus de courage. Et David ira au combat et aura la victoire. Et ce matin, nous voulons voir les piliers de cette victoire. Tout le monde ne peut pas vaincre Goliath. Goliath est un guerrier depuis son enfance. Il est homme de guerre. Et Goliath est appuyé sur des puissances maléfiques et démoniaques. Pendant 40 jours, Goliath insulte le peuple du Dieu vivant. En Israël, chacun priait Dieu. En Israël, chacun allait faire le sacrifice. Mais bien aimé, pendant 40 jours, personne ne bouge. Parce que pendant ces 40 jours, une puissance est sortie. Et cette puissance vient tout droit des ténèbres. Et elle insulte Dieu. Rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Goliath, le géant. Saül est dans sa tente. Il ne réagit pas, il est le roi. Les héros, les frères de David qui sont des guerriers, des hommes forts, des hommes vaillants, ne réagissent pas. Parce qu'ils sont tétanisés. Et David aura la victoire. Comment cet enfant a eu la victoire? C'est ce que nous voulons voir ce matin. Alléluia. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort. Une fronde et une pierre. Qu'est-ce qu'une fronde et une pierre? Dans un combat avec un géant qui a une armure, un casque, et qui est un guerrier depuis son enfance, un expert dans les arts martiaux de l'époque, certainement. Qu'est-ce qu'une fronde et une pierre? Bien-aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que dans le combat dans lequel nous sommes pas dans une guerre conventionnelle.
Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, bien aimés, charnelles. Nous combattons avec des armes spirituelles. Et quand l'ennemi vient, il nous impressionne avec ses armes. Nous devons recourir à nos armes. Nos armes propres. Même si devant le monde, ces armes-là sont insignifiantes. Qu'est-ce qu'une pierre et une fronde? Dans une guerre où seules les épées parlent. Qu'est-ce qu'une pierre et une fronde? Saül donnera son armure à David. David l'essaiera et David la déposera. Bien-aimé, quand tu marches dans le combat, quand tu vas dans le combat, tu dois marcher sur la parole que Dieu t'a donnée à toi. Et non sur la parole qu'il a donnée à ton voisin. La révélation, elle est personnelle. Nous lisons tous la même Bible, mais bien-aimé, je finis de prêcher, l'apôtre vient prêcher, il peut prêcher d'une autre manière. Sa révélation. Et on va de révélation en révélation. Amen. Tu dois aller avec ta révélation. Alors, bien-aimé, le premier pilier que nous voulons voir, c'est la bonne préparation. La bonne préparation. Et c'est le problème. C'est le problème. De beaucoup. Tu dois savoir que la bonne préparation dépend de toi. Il dépend de toi d'être bien préparé. Prenons la Bible dans le livre de 2 Timothée 3, verset 6. Il dit, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. » S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Souffre avec moi comme un bon soldat. Il y a les mauvais soldats. Soldats corrompus. Soldats qui trichent. Paul dit, avec moi comme un bon soldat. Un vrai soldat. Souffre avec moi. Nous devons souffrir avec Christ à un moment donné. Souffre veut dire endure. Endure les épreuves de Christ. Persévère dans les épreuves de ton Seigneur. Christ a dit, celui qui veut venir avec moi, après moi, il doit renoncer à lui et porter sa croix. Nous avons tous une croix à porter. Nous devons endurer quelque chose. Parce que ce que nous endurons est en train de nous former. En train de nous équiper. Amen. Vous savez, certaines personnes, quand ils voient une chrysalide et un papillon qui se débat pour sortir, ils veulent prendre le ciseau, la lame pour ouvrir la chrysalide. Tu fais ça, tu tues le papillon. Parce que le papillon a besoin de se débattre pour que le sang circule dans ses ailes, que ses ailes soient affermies et qu'elles puissent supporter le vol. Et toi, dans ton amour, dans ta générosité, tu dis non, le papillon il souffre, attends, je vais venir lui faire une césarienne. Et tu viens, tu déchires la chrysalide, que le papillon sorte, il est mort. Tu l'as aidé, tu l'as tué. Il y a des chrétiens bien-aimés qui veulent qu'on les aide. Et c'est ce qui fait qu'ils n'évoluent pas. Parce qu'ils refusent de naître comme il faut. Tu dois naître comme il faut. Ça peut faire mal, c'est vrai. Mais tu dois naître comme il faut. Parce que pendant que tu nais, ta nature se manifeste. Pendant que tu nais, la réalité de ton ADN à toi, parce que tu n'es pas un oiseau, se manifeste. Chacun de nous a quelque chose. Et ça passe, bien-aimés, par une essence. Ça peut être douloureux. On n'aime pas la douleur. Parce que quand on vient à Christ, on te dit, viens à Christ, tu seras sauvé. Viens à Christ, tu auras... Oui, tu auras, mais il y a un processus. Il y a un processus. Amen. Souffre comme un bon soldat. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Quand on est soldat, on est enrôlé, on ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Un soldat, il a deux vêtements. Il a un seul vêtement d'ailleurs. Mais il a deux costumes. Il a le treillis et puis il a le costume d'apparat. Costume d'apparat, c'est quand le président ou bien il doit se marier. C'est là qu'il porte, tu vois qu'il change de treillis, il porte un autre costume d'apparat. Mais tu ne vas pas voir le militaire qui change les vêtements tout le temps. Aujourd'hui, je porte jean, demain, je... Non, en caserne, ils sont tous en treillis, ils sont tous uniformes. On appelle ça l'uniforme. Il y a une onction que tu dois porter. Elle te différencie. Souffre avec moi comme un bon soldat. Le soldat bien-aimé, il souffre. Il n'a pas la liberté que toi tu as. Il n'a pas cette liberté. Et c'est ce que lui confère aussi, cette puissance. Tu veux la puissance, tu dois te priver de certaines choses. Tu dois te priver de certaines choses. Alléluia.
Vous savez, la préparation ne se fait pas en un jour. On se prépare tout le temps. Tu vas dans un camp militaire aujourd'hui, ce matin ils sont levés, ils ont fait oh, oh, oh à 6h du matin, ils ont fait le tour, après ils sont allés, ils ont pompé, ils ont fait peut-être 50 pompes chacun, ils sont levés, ils sont allés au tir. Il n'y a pas de guerre. En tout cas, on n'est pas dans un pays en guerre, même s'il y a des situations. Mais même en temps de paix, les militaires font ça tous les jours. Tous les jours, ils pompent, tous les jours, ils tirent, tous les jours, ils courent, tous les jours, ils s'entraînent. Ils peuvent le faire pendant qu'il y a la paix, pendant 5 ans, il y a la paix, ils le font. Et puis un jour, il y a la guerre. Et ce jour où il y a la guerre, c'est les 5 années d'entraînement qui vont te faire vivre. Si tu as triché pendant les 5 années, tu vas y rester. Amen. On ne devient pas champion du monde de quelque chose en commençant à 19 ans. On commence très tôt. Messi a commencé à l'âge de 5 ans, 6 ans, je crois. Les champions, comme vous voyez, les Ronaldinho, tout ça, ils ont commencé en bas. Tiger Woods, il faisait du golf à 5 ans. Les personnes qui marquent leur génération se sont préparées très tôt. Les sœurs Williams, elles étaient petites quand elles ont commencé le tennis. Elles dominent. Tu arrives en Christ, tu nais. Commence ton entraînement. Commence ton entraînement. Ne regarde pas autour de toi pour dire non, je suis... Non, accepte l'entraînement, la rigueur du royaume. Tu es fils de roi. Tu dois régner un jour. Et pour régner, il faut savoir se priver de ce qu'on aime. Pour régner, il faut être maître de ses sentiments. Pour régner, il ne faut pas être influencé. Dans le règne, on est seul. Parce que les décisions se prennent seules. Et tu es fils de roi, tu es appelé à régner. Tu es fille de roi, tu es appelé à régner. Et tu dois comprendre comment ça marche. Et tu dois accepter le joug. Quelles que soient les promesses que tu as, accepte le joug. Le joug du Seigneur, bien sûr. Alléluia. La préparation ne se fait pas en un jour, ça prend du temps. Jusqu'à ce que tu as l'habitude de faire, devienne, ça devienne ton habitude. 50 pompes, ok, 50. Mais le premier jour que tu rentres là-bas, on dit 50 pompes, tu pleures. Mais après quelques temps, 50 pompes, ok. Tu le fais. Tranquillement. Ton corps a été transformé par la souffrance. La souffrance est devenue ton salut, comme Isaïe l'a dit. La souffrance t'a transformé. T'a rendu plus capable, plus fort. Pourtant, tu ne voulais pas ça. Amen. Premier pilier de la victoire repose sur la bonne préparation. Et c'est toi qui dois accepter. Tu dois accepter que tu dois travailler dans la prière, dans le jeûne. Et les personnes, bien-aimées, qui jeûnent depuis un moment donné, ils ne jeûnent plus. Tu allais dire, faut jeûner. Non, il vient et ça se passe tout seul. Parce qu'il a une bonne préparation, des très bonnes fondations. Le pasteur est là pour vous donner la bonne préparation. Vous devez accepter ça comme un coach, un entraîneur. Je dis toujours aux frères, je dis, nous sommes les entraîneurs. Nous ne sommes pas ceux qui touchent les plus gros contrats, même si Dieu ne nous oublie pas. Mais c'est vous qui êtes les stars. C'est vous qui régnez. Nous sommes les entraîneurs. Nous nous privons pour faire de vous des lumières dans le monde. Au lieu de briller par nous-mêmes, nous mettons à l'ombre et nous faisons briller vous. Nous nous privons pour que vous puissiez grandir. Parce que nous sommes comme des pères aussi. Amen. C'est très important que vous acceptiez la préparation. Même si tu es Ronaldo, si ton entraîneur dit, va faire le tout terrain, tu vas. Parce que bien aimé, si tu n'acceptes pas de faire le tout terrain, et tu commences le match, tu vas te claquer un muscle. Et ta carrière est foutue alors que tu es une star. Parce que tu as refusé d'écouter l'entraîneur. Il y a des entraîneurs qui ne savent pas jouer au ballon. Ah, il ne sait pas jouer, il ne peut pas jongler. Hein. Il n'a jamais été footballeur d'ailleurs. C'est un tacticien. Il ne peut pas jongler, il ne peut pas dribbler. Mais il sait placer ceux qui dribblent. Un architecte ne sait pas mélanger le ciment. Mais tu construis sans lui, tu écroules la maison. Donc il ne faut pas dire non, le pasteur, lui-même là, il ne connaît pas le travail que je fais là. Jésus qui était charpentier, il dit à Pierre, hé, jette à l'autre côté.
Pierre dit, mais tu racontes quoi? Toi, on te connaît, tu es menuisier? Tu racontes quoi dans l'histoire? Nous, on est sortis le matin, on a pêché. On pêche d'abord la nuit. Et tôt le matin, là, oui, les poissons. Mais à midi, le soleil, il tape là. Les poissons, ils sont en bas de l'eau, là-bas, ils sont partis. Tu veux nous faire perdre le temps encore? Mais il a regardé le menuisier, le charpentier, là. C'est un charpentier bizarre. Un charpentier, quand tu le regardes, tu sens que ce n'est pas un charpentier normal. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et ce jour-là, Pierre a fait la plus grande pêche de sa vie. Parce qu'il a écouté un charpentier. Tu peux être banquier. L'apôtre va te dire de faire quelque chose. Par la révélation. Tu vas dire, non, l'apôtre n'est pas banquier. Si je le suis, je vais me tuer. Il n'est pas banquier, il n'est pas banquier. La révélation. Parce que la révélation, c'est la connaissance de l'avenir. Et de tout ce qui va arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la préparation, c'est important, ça prend du temps. Mais tout le temps que tu passes à te préparer n'est pas perdu. Les autres, ils avancent. Toi, tu t'astreins. Les autres, ils mangent le poulet que j'ai nous. Toi, tu manges légumes, carottes. Tu manges la manne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quelle nourriture qui ne change pas? La manne. Mais c'est la manne là qui fait que tu peux rentrer en Canaan. Tu ne manges pas la manne. Tu ne rentres pas en Canaan. Canaan est verrouillé. Canaan, c'est un pays mystérieux. On rentre à Canaan par le miracle. On ne rentre pas à Canaan parce qu'on a envie d'y entrer. La porte de Canaan est scellée, elle est fermée. Le Jourdain, ça veut dire Jourdain, ça veut dire celui qui descend dans la mort. Tu veux rentrer en Canaan, tu meurs. Il y a des gens qui rentrent dans leur bénédiction, ils meurent. Ils se marient, ils meurent le lendemain. Avec qui on a dit ça? Il s'est marié la veille, il a fêté, le lendemain, il est mort. Je connais des personnes, ils ont fini de faire la dot. La semaine qui a suivi, le monsieur est mort. Oh, tu rentres dans Canaan comme ça. Canaan est verrouillé. Pour rentrer, il faut avoir le code. Et pour avoir le code, il faut manger la nourriture du code. Le pain qui descend du ciel. Alléluia. Bien-aimé, considère les dimanches que tu viens ici. Là. Considère. Tu ne viens pas ici pour te réchauffer, venir seulement danser. Même quand on danse là, c'est spirituel. Je n'ai pas peur des danses angéliques, parce que ça, je ne comprends pas ce que c'est. Mais je parle, on entend de danser notre joie. La joie du Seigneur est ma force. Il y a du spirituel dans ta danse. Tu arrives à l'église le matin, on t'a fait quelque chose de tort à la maison, quelqu'un. Mais quand tu arrives, offre un sacrifice de louange. C'est prophétique. Alléluia. David se préparait. David va dire à Saül, quand Saül va voir David, il va dire, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce monsieur? C'est un homme de guerre depuis son enfance. Et toi, tu es un enfant. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Scientifiquement, ce n'est pas possible. Humainement, je ne peux pas te livrer au massacre. Ce n'est pas possible, mon fils. C'est vrai qu'on est en danger, mais quand même. Bien-aimé, David dira à Saül, au verset 34 de 1 Samuel 17, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait pour enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même de cet incirconcis, comme de l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Regardez ce que David nous dit. Je suis un enfant, tu me vois comme un enfant. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je suis un mystère. Quand je suis derrière le troupeau et qu'un lion vient arracher une brebis, je cours derrière le lion d'abord, je l'arrête, j'arrache la brebis. Et si le lion s'énerve, je le tue. Mais ce n'est pas fini.
Les ours aussi. C'est que l'ours est plus grand que les lions. Et il dit la même chose pour l'ours. Donc David dit à Saül, j'ai de l'entraînement. J'ai une préparation préalable. Je ne suis pas venu ici comme ça. Je suis quelqu'un qui a de l'entraînement. C'est ce qui nous manque souvent. Pendant que nous recevons la parole de Dieu, nous ne la mettons pas en pratique. Est-ce que tu t'entraînes? Le pasteur vient, il prêche, il saute, il transpire. Même s'il est malade, il fait ça. Après, il va se coucher, tu ne sais pas. Hein? Tu penses qu'il est fou? Ou bien c'est l'argent qu'il cherche? Il y a d'autres moyens de gagner l'argent facilement plus que ça. Hein? Moi, j'ai refusé de travailler en banque. J'ai démissionné. Et ma femme m'a dit, ma femme vraiment, que Dieu la bénisse. C'est elle qui m'a envoyé à Paris. Hein? Moi, c'est le Saint-Esprit, c'est elle. Parce que c'est quelqu'un qui me pousse quand je regarde trop aux apparences. Elle me dit, mais tu as prêché ça, là. Et toi, tu ne pratiques pas ce que tu prêches. Alors, ça me met normal. Je redeviens spirituel. Ça me met normal. Elle dit, va. Elle est enceinte, elle est à terme. Elle a accouché certainement la semaine qui vient. Je ne voulais pas venir. Mais je savais que je devais venir parce que Dieu m'avait dit de venir depuis longtemps. J'ai dit non, tu es enceinte, on va dire que je t'ai abandonné. Elle dit non, vas-y, laisse les gens parler. Dieu veut que tu y ailles. Elle m'a poussé, poussé. Même quand je traînais les pas pour que les choses ne se passent pas, quoi. Elle dit, tu es allé, tu es parti, tu as vu, fais. Vraiment, je bénis le Seigneur d'une telle épouse. Parce que quand tu as une épouse qui te pousse dans le sens de Dieu, tu avances bien. Et vous les femmes, soyez des épouses. Poussez vos maris dans le sens de Dieu. Ne les éloignez pas de Dieu. Tu éloignes un homme de Dieu, il va te quitter un matin. Mais tu le pousses vers Dieu, Dieu sera son juge. Et même quand tu ne pourras pas le contrôler, Dieu le contrôlera. C'est important. Amen. Gloire à Jésus. Donc David dit, j'ai de l'entraînement. Moi, je lutte avec les lions et les ours dans le secret, personne ne voit. Ton entraînement est secret, personne ne voit. Personne ne sait que tu vis ça. Personne ne sait que tu traverses tel moment. Mais tu t'en sors. Et tu viens à l'église, personne ne sait. Mais tu es en train de pratiquer la parole dans le secret. Dieu te prépare à quelque chose. Alléluia. Amen. L'entraînement prend du temps. Je le répète. Jésus, fils de Dieu, descendu sur la terre. Oui, il a pris 30 ans. 30 ans avant de se présenter à Israël pour commencer à dire des choses. Pendant 30 ans, il faisait quoi? Il se préparait. À 20 ans déjà, on prêche l'évangile ici dans les rues. À 15 ans déjà, tu peux convertir les gens. Mais Christ a attendu 30 ans. La préparation qui lui a été fixée. Et il est sorti à ce moment-là. La préparation prend du temps. Il faut accepter le temps qu'on t'impose. Ah non, moi je sais faire déjà. Oui, tu sais faire déjà, mais est-ce que tu es prêt pour faire? La préparation. Dans le Seigneur, il faut une préparation. Alléluia. La préparation se fait, bien aimé, dans des petites choses qu'on ne considère pas, mais qui feront que le jour de la détresse, nous serons solides. Dans le livre de Luc 5, avant la pêche miraculeuse, la Bible dit que Jésus-Christ était sorti sur le bord de la mer, et il a fait quoi? Il a vu Pierre et son frère qui étaient en train de réparer leur filet. Ils n'ont pas eu une pêche, ils n'ont pas pêché la nuit, donc ils n'ont pas de poisson. Ils sortent le matin, au lieu de laisser les filets là pour dire, bon, on n'a pas eu de poisson, on va faire ça plus tard. Ils sortent de l'eau et en même temps réparent leur filet. La pêche est demain, hein? Ils disent pas, non, je vais faire ça le soir. Ils le font en même temps. Il répare son filet. Il se prépare. Au cas où il y a une opportunité, il faut que tu sois prêt. Tu es prête. Or, quand tu remets les choses toujours, ce que tu dois faire, quand les opportunités viennent, tu les rates. Il y a des opportunités dans la vie de nous tous chrétiens. Mais ceux qui rentrent dans les opportunités sont ceux qui ont été préparés. Préparés. Il y a des situations qui arrivent. Et tu dis, non, c'est trop grand, c'est trop grand. Tu trembles. La bénédiction, tu trouves que c'est trop grand. Est-ce que je peux? Mais tu n'as pas été préparé. Ça vient maintenant, tu ne peux pas entrer. Toi-même, tu dis, non, c'est trop pour moi.
Quand tu es préparé, bien-aimé, même quand on te dit que tu ne peux pas, tu dis non, vous ne comprenez pas. Moi, je peux. Tu n'as pas peut-être le diplôme du travail. Mais bien-aimé, tu as été préparé dans la présence de Dieu à supporter la pression. Dans la présence de Dieu à chercher des solutions, même quand tout est difficile. Bien-aimé, quand on te fait la proposition, on dit on cherche, tu dis moi. Moi, je peux. On dit mais tu n'es même pas au niveau, tu dis non, laisse. Il faut m'essayer. Donne-moi one day, une chance. Si tu n'es pas content, tu n'as rien perdu. Bien-aimé, quand tu es préparé, ce jour-là, tu passes à une autre dimension. Mais quand tu n'es pas préparé, tu dis, oh, ça, c'est pas pour nous, ça, on ne peut pas, on ne pourra jamais, parce que tu vis dans... Tu vois ce que je veux dire? Les temps où nous arrivons là, les gens qui sont préparés, qui acceptent la formation, qui s'entraînent à la maison, tu dois prier à la maison, tu ne veux pas prier. Tu dois jeûner, tu ne veux pas jeûner. On dit jeûne de l'église, toi tu manges à la maison, tu viens, tu sautes, tu manges à la maison. Tu crois que tu te prépares? Tu ne te prépares pas. Parce que les grandes choses de la vie, bien-aimée, ne sont pas réservées à l'intelligence. Ne sont pas réservées à la sagesse. Elles sont réservées à ceux qui se sont préparés, qui ont montré à Dieu, qui se sont disposés pour ça. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Les temps et les circonstances dépendent de Dieu. Quand tu es préparé, quand le temps arrive, quelles que soient les circonstances, quand tu es préparé, tu rentres. Alléluia. Tu m'entends ce matin? La semaine prochaine, vous avez repositionnement. Ah, repositionnement. C'est prophétique. Cette semaine-là, il faut te préparer. Dans le jeûne, s'il te plaît. Même si le pasteur ne t'a pas dit. Et puis, si tu as donné un jour de jeûne, tu prends les 7 jours. Tu arrives ici à jeûne. Tous les programmes, tu le fais à jeûne. Parce que, bien aimé, c'est une porte qui va s'ouvrir. Qui va y entrer? Ceux qui seront préparés. Et tu vas venir ici comme tous les programmes. Oh, c'est un nouveau pasteur qui vient, c'est un autre pasteur qui vient. Ok, bon, on va voir ce qu'il va nous dire encore. Ah oui, il parle bien. Ouais, il parle bien. Ah oui, ça, on a entendu ça un peu la dernière fois aussi. Hein. Frère, sœur, l'affaire de Dieu, là, c'est mystérieux. Hein? C'est mystérieux. Continue. Je vais passer au deuxième point parce que le temps, il avance. Deuxième point, la bonne information. Après avoir eu la bonne préparation, tu dois chercher la bonne information. Alléluia. La bonne information, ça dépend de toi aussi, hein, de la chercher. On est dans un temps de, on appelle ça l'ère de l'information. Tout le monde a Google, Internet et tout ça. Donc, nous sommes habitués à chercher. On va prendre 1 Samuel 17, verset 25. On va voir ce que David a fait. 1 Samuel 17, verset 25. Je lis. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est ainsi concis, pour insulter l'armée du Dieu vivant. Donc David, il a entendu quelque chose. Vous savez, il était venu au prélat pour donner la nourriture. Hein. Son père lui a dit, va donner à manger à tes frères qui sont sur le champ de bataille. Tu verras comment ils vont et tu me donneras nos nouvelles. Vous savez, souvent, les grandes opportunités commencent par une obéissance simple à quelque chose que peut-être on ne voudrait pas faire parce qu'on trouve que bon, quelqu'un d'autre peut le faire, quoi. Le pasteur te dit, écoute, va, s'il te plaît, hein, je suis un peu truc à la maison, tu peux aller au pressing, s'il te plaît, je t'appelle, tu vas au pressing, tu prends mon truc, tu m'amènes, s'il te plaît, je suis un peu... Il a des pieds, il peut aller. Il peut se faire livrer à la maison.
Mais l'Esprit lui dit, appelle tel, il n'a qu'à faire ça. Et toi? Pasteur, qu'est-ce qu'il me veut? Parce que je suis son serviteur. Toujours, il m'a envoyé. Et tu es là, tu murmures. Bien-aimé, est-ce que tu sais ce que tu peux rencontrer au pressing? Tu sais, il y a quoi au pressing? Ah! Est-ce que tu sais, il y a quoi là-bas? Au pressing, tout le monde se croise, hein? Toi, tu es là, ta situation, tu es fermé, tu es bloqué. Mais au pressing, il y a quelqu'un qui va te regarder, qui dit, mais écoutez, vous ressemblez à... Je pense que quelque chose commence là. Il y a une obéissance. L'obéissance, bien aimé, amène la bénédiction. Même si ça y a rien en apparence. Le père de David dit, hey David, prends les tout cas, va au champ de bataille, toi tes frères, ils vont manger. Tu vas me dire ce qu'ils ont. David vient avec la nourriture, ils ont des serviteurs. Hein? Et David vient avec la nourriture. Mais son père a des serviteurs. Son y va. L'enfant va, c'est dangereux. C'est un champ de bataille. Tu peux tomber, la guerre est là. Ça a commencé, c'est déclenché. Et l'enfant arrive dans un champ de bataille, il va faire comment? On peut prendre une balle perdue. Tu envoies un enfant sur un champ de bataille. Moi, je ne te comprends pas, papa. Papa, il y a la guerre là-bas. Et tu m'envoies pour aller donner la nourriture sur un champ de bataille. Et si on me fait quelque chose? Moi, je suis un enfant. Il y a le serviteur qui est là. Tu peux l'envoyer. Donc, David laisse les moutons au serviteur. Donc, le serviteur garde les moutons. Et David prend la nourriture et il va sur le champ de bataille. Il va dans le danger. L'obéissance. L'obéissance au Père, ça ouvre de grandes portes. Ça ouvre de grandes portes. Il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Moi, j'étais destiné à être banquier. Et puis voilà quoi. Vivre comme ça. Et puis Dieu m'a enlevé ça. Bon, il ne m'a pas enlevé ça. Mais bon. Ce qui est sûr, il m'a appelé. Je suis pasteur. Comprenez ce que je veux dire. Donc, si moi, en tant que pasteur, je suis en train de prêcher, et que toi, tu as fait des études, tu cherches à aller à la banque. Moi, j'ai l'onction de ça, mais je n'ai pas pris. Je peux te donner ça. Mais pour te donner ça, je ne vais pas t'envoyer à la banque. Ah non, je n'enverrai pas là. Un matin, je dis, écoute, s'il te plaît, va, à l'épicerie, pardon, s'il te plaît. Dans ça là, toi, tu es là-bas et puis tu fais des rencontres avec quelqu'un qui dit vous ressemblez énormément à ma fille que j'ai perdue depuis longtemps. Vous lui ressemblez comme deux gouttes d'eau. Et puis quelque chose commence. Tu ne sais pas où ça va. Sur cette terre, on se rencontre. C'est pour ça que toutes les plateformes de rencontres, là, ça marche. Parce que pour se rencontrer, ce n'est pas facile. Les connexions, ce n'est pas facile. C'est à l'esprit que ça marche. On se dépasse dans la rue, tous dans le métro, on se dépasse. Personne ne regarde personne. Tu as rencontré quelqu'un comment? Dans le froid là, qui va s'arrêter pour te parler? Tu dois arriver dans des endroits où tu arrives à être la lumière. C'est important. L'obéissance à un père, à quelqu'un qui a reçu ce qu'on appelle chez les juifs le koach. C'est la grâce de la bénédiction. L'obéissance fait le transfert. Pas besoin de prier pour toi t'imposer les mains. Dans l'obéissance. Alléluia. David avait la bonne info. David cherchait à vérifier l'information. Donc il a dit, qu'est-ce qu'on va faire à cet homme qui va tuer le Philistin? Parce qu'on parle d'opportunités, de grandes choses. Ils vont lui répéter ça, verset 27. Le peuple répétant les mêmes paroles lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Éliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère quand David dit, pourquoi es-tu descendu? Et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu.
David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui le fit chercher. C'est parce que David posait des questions. Il cherchait l'information, la bonne, qu'on l'a envoyé chez Saül. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome 29, que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont pour nous. Alléluia. Mais elle dit encore que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Celui qui ne cherche pas ne peut pas régner. Le règne est dans la recherche de l'information. Alléluia. Tu dois chercher la bonne info si tu veux dominer. Tout ce qui se passe dans ce monde est une affaire d'information, de primeur de l'information. La bonne information. On est dans un temps de guerre de l'information. Moïse avait besoin de la bonne information. Moïse arrive au port de Jéricho et il envoie 12 espions. Il dit, il faut que je vérifie les infos. Ils y vont. Ils disent, oui, le pays, il est bon. Ce que tu as dit là, on a vérifié. Le pays, il est bon. Mais l'erreur de Moïse, si je peux appeler ainsi une erreur, c'est d'avoir envoyé trop d'espions. Bien-aimé, la Bible dit que la vérité sort de la bouche de deux ou de trois témoins. Moïse a envoyé 12. C'est ce qu'ils sont allés faire là-bas? Ils sont allés faire un complot. Non. Moïse veut nous tuer là. Il raconte quoi? Si le pays est beau, c'est vrai, mais tu as vu la taille des gars là? Ils vont nous manger? Quand les gens sont nombreux à donner une information, ça complique l'information. Josué va envoyer 2. Vous allez, vous venez. 2. Tu dois vérifier l'information auprès de sources de confiance. Auprès de sources de confiance. D'ailleurs, quand Josué était allé avec Caleb à l'époque de Moïse, il n'y a que les 2 qui sont revenus avec l'information. Josué a retenu ça. Il dit, on nous envoie 12, on est parti. Mais il y a 10 qui sont venus se plaindre. Il n'y a que moi et Caleb qui sont venus donner à Moïse ces informations, puis qui avons dit, Dieu peut nous donner le pays. Et qu'est-ce sont devenus Josué et Caleb? Josué est devenu chef d'Israël et Caleb est devenu un grand en Israël. Un grand. Parce qu'ils ont été animés de notre esprit. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Rahab, la prostituée. Oui, la prostituée. Elle avait vraiment le métier dans le corps. Pour qu'on lui colle à la peau. Rahab, la prostituée. L'arrière, grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que je dis souvent à nos frères qui sont adorateurs de maman de Jésus. On va aller adorer l'arrière-grand-mère aussi. Mais elle a le droit à ça. Vous adorez le père, l'oncle. On va aller adorer l'arrière-grand-mère. Vous la connaissez, non, Rahab? On va aller voir là-bas ce qui se passe aussi. Bon, ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Rahab était informée. Rahab se préparait. Vous savez, il y a des personnes qui vivent des situations parce que la vie leur a imposé. Mais qui savent qu'un jour, une opportunité se présentera, il faudra qu'elle saisisse ça. Elle était prostituée, on ne sait pas pourquoi, ce qui s'est passé. C'est bien sûr, c'était son travail. Mais elle s'informait. Vous savez qu'il y a des grandes guerres qui ont été gagnées ou perdues chez les prostituées. Parce que les grands vont là-bas et puis ils livrent les secrets. Les prostituées sont des sources d'informations des gouvernements. Elle dit, toutes ces informations que j'ai, je vais les capitaliser pour sortir de cette vie-là. Ce n'est pas ma destinée. Elle savait que ce n'était pas sa vie. Mais la vie le lui avait imposé. Elle se préparait pour quitter cette position. Le jour où Dieu ferait grâce, elle ne raterait pas ça.
Elle était informée. Elle va dire aux Juifs que je sais, dans Josué 2, verset 8, je sais que Dieu vous a donné le pays. La terreur est partout dans le pays. Je sais que vous, vous allez prendre ce pays-là. Souvenez-vous de moi, je vais quitter cette vie. C'est un nouveau pays, c'est une nouvelle histoire. Dont votre père ne me connaît pas. Elle a hébergé les espions. Elle avait la bonne information. Elle avait la bonne information. Donc tu as la bonne information. Tu as la porte des opportunités. Tu as la porte du règne. Maintenant, vous savez, dans l'information, il y a deux choses. Il y a la lettre de l'information et puis il y a la révélation de l'information. Or, la révélation de l'information, tout le monde ne l'a pas. C'est ceux qui sont entraînés qui ont la révélation. Parce que l'entraînement l'a appris comment interpréter l'information. Joseph était en prison. Le ministre vient lui donner l'information. Joseph dit, ce que vous avez là, pour toi, interprétation, retour, repositionnement. Pour toi, total dépositionnement. Alléluia. Amen. Il avait l'interprétation de l'information. On est tous prophètes. Hein? Vous tous ici, là, vous êtes prophètes du Seigneur. C'est une prophétie qui lui dit. Pas le ministère de prophète, mais la grâce qui fait que Dieu peut. Une fois que Dieu s'adresse à toi, c'est fini. Hein? Tu es dans le prophétique. Dieu m'a parlé, il m'a dit, j'ai fait un songe. Tu es déjà dans le prophétique. Ça veut dire que nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu les parle, donc ce sont des prophètes. C'est un peuple de prophètes et de sacrificateurs. Alléluia. Mais nous n'avons pas l'interprétation de l'information. Et nous ne voulons pas, c'est la préparation qui permet l'interprétation. Parce que nous ne nous soumettons pas à la formation. Alléluia. Joseph arrive devant Pharaon un matin parce que lui, il a la révélation des informations. On dit les choses qui se passent, lui, il sait ce qui est derrière. C'est comme ça que Daniel a régné. Il avait les révélations des informations. Tu prends le journal, tu lis les informations du pays. Oh, le blanc, il dit ce qu'on peut faire. Il y a une révélation dedans. Vous savez que sur les marchés financiers, c'est les journaux. C'est les informations de première main. Il est devant son ordinateur, il suit le CAC 40, il suit la bourse et il suit sur plusieurs écrans les nouvelles en direct. Parce qu'un tremblement de terre à Tokyo, ça veut dire que le cours de Mitsubishi est en quelques secondes. Si je peux, j'ai enrichi. J'ai l'information et j'ai la révélation de l'information. Alléluia. Et je le répète, pour avoir la révélation de l'information, il faut suivre l'entraînement. Tu peux être là pendant tout le temps, tu ne vois rien dans ta vie pendant que tu vas à l'église. C'est pour un jour. Je te dis, chacun a un jour pour passer de la poussière, de la boue sur le trône. Un jour. Tout le monde, je dis, enfant de Dieu, il y a un jour où tu vas quitter la boue pour aller sur le trône. Mais là, si tu as la préparation et l'information, tu peux. Mais si tu n'as pas, ça passera devant toi. Et c'est après que tu vas expliquer. Quelqu'un qui comprend ça dit, mais attends, c'était ton jour là. C'était pour toi. J'ai une de mes filles qui veut me voir un jour. Papa, on m'a appelé dans une école. Et je dois aller à la... Je dis, vas-y, elle y va. Personne ne lui dit, je veux que tu sois directrice de l'école. Directrice. Elle dit, je n'ai pas le niveau. Que je n'ai pas fait la formation. Elle n'était même pas appelée à ce rendez-vous. C'était pour une autre personne. Et l'autre personne, il y a quelqu'un qui était... pendant qu'on disait, bon, écoute, toi, il y a rendez-vous. Vous comprenez, tu es à la maison chez quelqu'un. Puis on dit, toi, il y a rendez-vous pour toi là-bas. Puis toi, tu es là. Il dit, mais je peux aussi envoyer. On ne sait jamais. Elle dit, oui, tu peux envoyer. C'est comme ça. Donc, tu n'es pas prévu dans l'affaire, mais tu es dans l'affaire maintenant. Tu arrives là-bas. J'ai pris pour toi. Tu vas, tu dis que tu n'as pas le niveau. Elle est venue, je voulais la gifler. Et tu ne sais pas que sur la terre ici, ce n'est pas une affaire de niveau. On t'a posé la question, tu peux. Oui.
Si tu vas venir et puis on va jeûner, prier, t'inscrire dans une école la nuit là, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Oh, on va faire. Moi j'ai tous les niveaux. Oh, quoi? Moi j'ai le niveau. Je joue pas à ça. Ah, la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas hors jeu. Je vais tirer, j'ai le niveau. Maintenant, si j'arrive là-bas que ça ne va pas, qu'est-ce que j'ai perdu? Zéro, j'ai rien perdu. Faut essayer. Faut essayer. Il y a des gens qui sont là. Ah non, il est. C'est à cause tu n'as pas la préparation, à cause tu fais ça. Si tu avais la préparation. Quand tu marches comme ça, tu es comme ça. Je suis là. Alléluia. Vous savez qui on a pris à sa place? Une personne qui n'a même pas le bac. Elle a niveau bac plus 4. Parce qu'elle n'a pas eu l'audace. Parce qu'elle n'avait pas la préparation. Quand je parle, elle n'écoute pas ça. Tu veux la bénédiction, mais tu ne connais pas le secret. Tu veux régner, mais tu ne connais pas le secret. Faut écouter le secret là. Tu notes. Et quand tu arrives à la maison, ils ont le gros cahier. Ils notent, ils arrivent à la maison, ils déposent. Pompe. Toute la semaine, ils n'ouvrent plus. Dimanche prochain, elle est là encore, ils notent. Aïe, c'est quoi? Tu as noté lundi. Tu ouvres, tu relis ça et puis tu médites ça. Tu rumines. Aga, tu rumines, tu mâchouilles encore comme les brebis. Il a fini d'avaler l'herbe là. Il va s'asseoir et il mange quoi? La parole. Toute la semaine, tu la rumines bien. Et elle va, les vitamines vont aller dans ton sang. Il y a des vitamines là, là. Jésus-Christ missine. Saint-Esprit missine. Onction missine. Puissance rinate. Ça y est là. Les vitamines. Mais si la parole est du pain, il y a des vitamines. C'est une nourriture. C'est une viande. Elle fortifie. Mais il y a des vitamines, il y a des oligo-éléments. Il y a tout ça dedans. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a quelque chose dedans. Alléluia. Papa, je n'ai pas dépassé le temps. Si? À deux cultes. Rapidement, je vais. Troisième point, le courage. J'en ai parlé un peu. Troisième point, le courage. L'audace du courage. L'audace de la foi. Tu as la préparation, tu as l'information, tu as dans l'information, tu as cette révélation. L'opportunité est là. L'opportunité vient par la préparation et l'information. Ceux qui sont préparés attirent les opportunités. Et à partir de là, maintenant, bien-aimé, ce qui va se passer, c'est le courage. Est-ce que tu as le courage d'entrer dans cette porte qui s'ouvre devant toi? Or, pour avoir le courage, c'est encore la préparation qui t'a enseigné à ne pas avoir peur qu'on tire. Pendant qu'on tire, toi, tu marches. Pendant que tu attends, boum, boum, toi, tu marches, tu avances. Tu as été préparé. C'est comme ça. Si tu n'es pas préparé, quand ça commence à tirer, tu te couches, tu fuis. Mais quand tu es préparé, ça ne te dit rien. Tu as été entraîné pendant dans les rafales. Il dit, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Goliath qui vocifère là, il est mort aujourd'hui. Il est mort aujourd'hui. David arrive avec une pierre. Et quoi? Et une fronde. Goliath avait la mauvaise information sur David. Il dit, mais un enfant, comme on voit maintenant, avec quoi? Un bâton. Mais qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi ça? Il n'avait pas la bonne info sur le petit. Tu n'avais pas la bonne info. Quand tu n'as pas la bonne info sur quelqu'un, tu es en danger. Tu es en danger. Il faut avoir la bonne info. David, lui, il avait la bonne info. Il a regardé, il a pris sa fronde. Il est arrivé, le torrent, il a pris. Il y avait 5 pierres, il en a pris 5. Les 5, c'est le Deutéronome, toutes les 5 livres de la loi de Moïse. Il a pris les 5 pierres, c'est la parole, c'est la révélation de la parole. Il a pris les 5, mais il n'en a qu'une seule. Il était tellement bien préparé qu'il n'a pas eu besoin d'utiliser toutes ses cartouches. Quand tu es bien préparé, tu ne gaspilles pas les balles. Un coup, c'est bon. Tu fais mouche. Tu t'entraînes quand même. Moi, je ne suis pas champion olympique comme ça, c'est le vent.
t'entraînes, tu t'entraînes, tu rates, tu recommences, tu rates, tu recommences, tu rates, tu recommences. Michael Jordan l'a dit, j'ai raté des milliers de paniers et j'ai recommencé encore, encore, encore. Je suis devenu une légende. L'entraînement. Et le chrétien doit s'entraîner. Dans tout ce que tu fais là, entraîne-toi. Mais surtout, à la parole de Dieu. Surtout, dans les choses de l'esprit. Parce que si tu gagnes dans les choses de l'esprit, les choses physiques, tu ne vas pas te fatiguer dedans. Alléluia. La bonne préparation, la bonne information et le courage. Josué 1, verset 8, il dit, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi. Ce matin, je viens te dire, fortifie-toi, prends courage. Devant toi, il y a une porte qui s'ouvre. Entre-y avec la force de Dieu. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On va se tenir debout. On va simplement dire merci au Seigneur. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci. Ce matin, ce message est venu parce que quelqu'un est à la porte. Quelqu'un est à la porte. À la porte, Seigneur, d'une opportunité, d'une grande bénédiction. Et Père, tu veux que quelqu'un entre. Voilà pourquoi ce matin, tu as parlé à tes enfants. Et je veux bénir ton nom parce que nous avons entendu cette parole. Seigneur, que tous ceux qui étaient encore en train de traîner les pas se positionnent. Que tous ceux qui rechignaient à mettre en pratique les choses de Dieu cette semaine se mettent à jour, se mettent en ordre de bataille. Parce que toi, tu vas faire. Éternel Dieu, pendant qu'ils sont en train de prier, que cette onction de David qui a vaincu le Philistin avec seulement une fronde et une pierre, alors que ceux qui avaient des épées, des arcs et des armures ont échoué, soit le partage. Qu'une femme entre dans une nouvelle dimension, qu'un homme entre dans une nouvelle dimension. Père éternel, qu'un serviteur de Dieu, un servant de Dieu entre dans une nouvelle dimension. Éternel, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont cherché ta face. Les temps qui arrivent, Seigneur, que la main de Dieu les positionne, Seigneur, et que Goliath tombe. Éternel, c'est le temps où, Seigneur, tu dois glorifier le Saint-Nom que tu as fait résider en nous. Oui, Seigneur, des choses nouvelles sont sur le point d'arriver. Et un peuple est préparé. Oh, j'ai confiance, Seigneur, de gloire, dans ta parole qui dit, oh Seigneur, oui, ne promène pas de regard inquiet. J'ai confiance dans cette parole. Les stériles enfanteront. Oui, Seigneur, les sourds entendront, les muets parleront. Quelque chose de nouveau se passera. Là où tu étais incapable, là où tu étais bloqué, là où tu avais limité, là où la nature t'avait limité. Cherche un homme et une femme pour déposer un héritage. Tu as passé du temps sans rien voir. Mais ce temps où tu ne voyais rien, tu es en train de te préparer. Et cette préparation amène maintenant, bien aimé, des opportunités. Rentre-y, rentre-y par la foi. Des portes vont s'ouvrir, des portes vont s'ouvrir. Il faudra y entrer. L'Éternel est sur son trône pour faire du bien à ceux dont le cœur est entier à lui. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas délaissé. Une opportunité se présentera. Toi qui n'as pas de travail, je te déclare une opportunité, une opportunité, une opportunité. L'Éternel ne dort pas. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il accomplira. Dis-lui merci. Bénis son nom. Et dis avec moi, comme David, avec seulement une fronde et une pierre, je terrasserai le Philistin. Comme David, avec seulement une fronde et une pierre, je terrasserai le Philistin. Même si on se moque de moi, j'aurai la victoire. Même si je ne ressemble pas à un guerrier, j'aurai le commandement moi aussi. Oh, Bachara, Bakara, Bayekorobo, Sambayakara, Lorobo, Shendere, Babokara, Bashindere, Bassakata. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus.